Le médecin a l'habitude de collaborer avec d'autres professionnels de santé de son secteur pour assurer une bonne prise en charge de ses patients. La communauté professionnelle territoriale de santé agrandit son réseau, multiplie les possibilités de collaboration et assure une meilleure coordination. Le territoire d'une CPTS est large. Il est défini par les réalités du terrain, comme le bassin de population, les habitudes de déplacement et les ressources. Une CPTS vise à rassembler un grand nombre d'acteurs du territoire et associe les dispositifs déjà présents. Enfin, chaque CPTS répond à des problématiques de santé présentes sur son territoire par des actions qui lui sont propres, dans le cadre des missions socles. La sortie d'hospitalisation d'une personne âgée pose souvent problème, surtout lorsqu'elle n'est pas programmée. Une CPTS peut facilement améliorer la situation grâce à différents acteurs et partenaires qui mettent en place une procédure de sortie et des outils collaboratifs. Ainsi, le médecin traitant sera informé, le kiné passera dès le lendemain, le pilulier sera prêt et les services sociaux seront vigilants. Une autre difficulté bien connue est le partage d'informations entre la dizaine de professionnels concernés par un patient atteint de cancer, par exemple. Une CPTS met du lien entre médecins généralistes, oncologues, biologistes, infirmiers, diététiciens, grâce à un moyen sécurisé de partage d'informations et à l'organisation de points d'échange. Le champ d'application des CPTS est vaste. Téléconsultation en territoire rural, organisation de la prise en charge des SNP, prévention de l'obésité. Mais, dans tous les cas, c'est le territoire qui choisit son sujet. À l'origine d'une CPTS, il y a la volonté de professionnels qui connaissent bien leur territoire et souhaitent améliorer le parcours de leurs patients. L'Union a recruté 3 chargés de mission qui travaillent en étroite collaboration avec l'ARS et l'assurance maladie pour accompagner les porteurs de projets de chaque département, les aider à monter un dossier solide et convaincant. L'objectif est de conclure un partenariat sur plusieurs années, incluant le financement nécessaire pour la création de la CPTS et son fonctionnement. Créée à l'initiative des acteurs de terrain, une CPTS insuffle une dynamique sur un territoire et renforce les coordinations. C'est une des clés essentielles pour l'avenir de notre système de santé.